suis allé en haut pourtant. Mais oui, mais il faut le chanter, il faut partir tu vois, par la droite, comme ça il bloque à la table. Ah, vas-y, qu'on joue là. Oh non. Bah si, tu fais le malin là. C'est quoi les touches? Here comes a new challenger! Il faut essayer de le faire peur et que. Hein? C'est le brain. Hein. J'ai un dragon stellaire. Hein. Mais la sauce était pimentée, j'ai du mal à dire. Ça, c'est le début de tout à l'heure, ça. Vous le sentez pas, mais moi, je le sens. Ah, le bon chorizo. C'est non! J'ai une tête de psychopathe en vrai. Regarde, on dirait une sorcière, genre. C'est parce que du coup, comme ça en contre-plongée, ça accentue grave les pommettes et ça fait genre. Attends. C'est la poule. Moi, genre. C'était le moment à clipper. Attends, petit. Tiens, on dirait une sorcière avec le nez. Ça fait mon feu, je te jure, t'en as pas marre, franchement. Je suis sûr que je bouge d'un poil, il me défonce. Ouais. Tu devrais mettre une baston de regard. Ah ouais? Ouais, mais c'est chaud parce que lui il est comme ça. Genre. J'avoue que tu vois, lui il est. Tu sais, c'est un peu comme si tu me faisais baston de regard avec une femme comme ça. Oui, genre. Mais ça peut être d'autant plus drôle. Un peu spéciaux. Yes! I'm out. Dans ton inventaire, oh. Tu dois lui casser la bouteille d'alcool sur lui pour ensuite lui mettre le feu. Et comment tu veux deviner ça, gros? J'avoue, faut avoir 200 de cuir en fait. Merci, Aurélien. Faut être un gros psychopathe. I'm a fire in my labor! Oh merci, ce soir à la fin du live, je vais faire un channel clip Twitch et tu vas tout balancer là-dedans, ok Clem? Tu balances tout! Tout. C'est sympa de faire des recherches comme ça, ça nous fait le best-of. Ah mais oui, ah mais tellement. Putain. Souks. Après du coup je sais toujours pas quoi faire mais. Te barrer peut-être qu'il voulait une arme. Ah bah le couteau. Ah bah quand même. Après c'est de faire agresser 3 fois. Le mec devient lucide. Non, non. 3 heures après, c'est quoi? C'est l'être. C'est peut-être pas la fatigue en fait. Ou alors, c'était mais... c'est un peu comme Don't Starve, c'est-à-dire que. Il y a eu un peu chaud là. Tu vois pas ça?
Attends, je veux le voir. Mais c'est tout comme non-stop en fait, genre de la fatigue. Souks. Je t'ai dit, c'est un fantôme. Ou alors elle a oublié son tampon. Et du coup, elle s'est mise sur les draps pour que ça ait plus bouge. C'est possible. Ah non, mais il avait raison. Qui c'est qui avait dit en fait c'était le monstre? Parce qu'il a brûlé. C'est moi. Bah bravo, l'oreillette. Ah, l'oreillette, tu casses les couilles. Si c'est vrai, j'en ai rien à foutre, tu viens à ma place. Souks. Bah, je sais pas. Donne-moi ta main, si. I have un Kerschief. So, oh, putain. Les cours d'allemand sont là. C'est non. Ça va devenir le Crocodman. Kawaii Desune. You do seem so well. Did something happen? Oh, it's nothing. I've just been so silly. Silly? It's silly that I am wandering this dark place, all alone, falling in holes, cutting my arm, all to find some measly box. Ils disent qu'ils veulent aller dans un hôtel romantique et poursuivre leur aventure loin de ceci. Ouais. Anglais, LV1, 20 sur 20. Fuck you, Kinect! C'est marrant parce que ça me fait penser à un truc. Tu sais, quand j'avais fait mon exposé au lycée, là, Marie doit pas s'en souvenir, mais je sais plus c'était quoi, on avait en histoire et en géo un dossier à faire, tu vois, qu'on devait rendre, et ce deux dossiers-là comptait vachement après pour le diplôme. Le premier, je l'avais fait sur le Japon, tu sais, j'avais fait comment c'était par rapport culturellement à l'ancien temps, et maintenant toute l'avancée technologique et tout. Et le deuxième, je l'avais fait sur la torture. Parce que le thème c'était l'Amérique du Sud, et du coup j'avais fait la colonisation et l'importation des tortures, enfin comment ça avait changé machin et tout. Et il y avait une torture, tu sais, par exemple je disais d'où venait la pinata. En fait, la pinata de base c'était pour punir quelqu'un, et tu l'attachais, tu l'ouvrais, enfin tu lui faisais des petits trous partout, et après les gens venaient le taper avec des bâtons jusqu'à ce que les tripes sortent en fait. Et après les gens étaient contents quand les tripes sortaient, tu vois. Et puis après, bon, ça a changé, ça a évolué et tout. Et il y avait une autre forme de. Enfin, c'était pas. Je sais pas si c'était une torture ou une vraie mort, c'était genre tu pendais les gens, mais tu sais, tu leur accrochais un caillou en plus. Et en fait, tu sais, du coup, s'ils le pendent et qu'il y avait la pierre, bah du coup, ça pourrait faire la forme tordue, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est peut-être pas ça, hein. C'est marrant d'expliquer la torture sur cette musique. J'avoue, ça fait très professeur Layton, tu vois, un peu. C'est marrant parce que pourtant sur le Japon j'avais une très bonne note. Celui-là j'avais une moins bonne note. Ça passait moins, tu vois. Pourtant c'était full recherche et tout, il y avait explications, théories, machin et tout. Non, je sais pas, ça l'intéressait moins, la prof, ce sujet-là. Moi, j'étais là, et c'est fascinant. Elle serait pas noire, par exemple. Hein? Elle était pas noire, bon. Mais elle était pas mexicaine. Mais j'en sais rien. C'était peut-être pour ça, espèce de cruche. Mais ça peut être d'autant plus drôle. Un peu spéciaux. Yes! Sera pour le revivre. Prochain live, quoi? On enterre un cadavre. On enterre un cadavre et comment se débarrasser des preuves. En vrai, c'est pas si compliqué. En vrai, Maya a déjà fait un live comment expliquer de tuer quelqu'un à coup de pelle et de faire disparaître les preuves. Tu le donnes à des cochons. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de pelle. C'est le. C'est les coulis. Du cochon. C'est moi qui mange la pelle. Like a pig. Like a pig. Thank you.
Hey, lors des dernières vidéos, vous n'avez pas eu votre petit message de fin de vidéo. Eh bien, maintenant, vous l'avez. Bref, mais c'est surtout pour vous annoncer une nouveauté. Malheureusement, cela ne concerne pas Nemo, mais plutôt son petit frère, Drago. Oui, ce génie. Non, je deck. Il est con comme un balai. Mais grâce à lui, ou plutôt sa connerie légendaire, je suis fier, ou presque, de vous présenter la chaîne de la tribu des connards. Ouais, j'aurais aimé vous montrer un logo, mais tout ce qu'on a, c'est la tête que fait principalement tous nos membres à chaque connerie du chef de la tribu, c'est-à-dire Drago. Oui, cette tronche-là. Donc si vous aimez vous foutre de sa tronche avec ses bêtises, venez voir la chaîne. Par contre, je préviens,